Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Le crash est-il possible Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but, pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, sur euh, Instagram, TikTok et euh, bien sûr Twitter, Tino Tiré du Bas, Bourse et le groupe Facebook où vous pouvez bien sûr participer euh, le podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir... Une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Mes partenaires, bien évidemment, Trade Republic. Vous avez un code pour euh, obtenir un petit cadeau lors de l'ouverture euh, d'un compte. Je l'utilise pour euh, les paroles internes et surtout pour les crypto-monnaies. L'expertise fondamentale avec euh, mes amis de Eboo. La gestion privée avec mes amis de Urutia. Et bien sûr, le logiciel que j'utilise au travers de toutes... Euh, les vidéos pour euh, analyser, bien sûr, les actifs. Les graphiques techniques sont réalisés grâce à cet outil qui est fabuleux Pro Real Time. Euh, c'est un logiciel, bien sûr, qui est gratuit. en attaque avec le titre donc de cette vidéo le crash est-il possible Parce que, bien évidemment, c'est la question euh, qu'on me pose très, très régulièrement. Et alors, j'essaye de répondre hein, semaine après semaine. J'essaye de vous donner des indications, surtout de vous partager mon, mon point de vue. Eh bien, euh, à nouveau, dans cette vidéo, on va essayer de le faire. Euh, on va, en euh, répondant évidemment à cette question, on va essayer d'analyser un certain nombre de titres. Euh, certains, bien évidemment, ont fait le suivi depuis un petit moment. Certains euh, viennent s'ajouter à la liste. J'essaie toujours, vous le savez, de, de mélanger un petit peu les deux. Donc, on aura du Stellantis, Kering, BNP Paribas. Euh, Forvia, Soitec, Arcelor, Mittal, euh, Alten, CGG, Elior, De Richbourg, Valeo, Trigano, Soitec, OVH, groupe LDLC, euh, Veolia, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment d'ailleurs, Veolia, Micro, je l'ai oublié la semaine dernière, Micro, j'en oublie toujours une, il y en a tellement, euh, j'en oublie toujours une, je m'excuse, donc je ferai, j'essaierai de ne pas oublier cette fois-ci de vous la faire, Valourec, euh, LVMH, ETELSAT, Eurofin Scientifique, Katana, NFL, Biosciences, VGP, Aramis, Justit avant de parler aux États-Unis de troisième compagnie Amazon et Alibaba. On terminera bien évidemment par le titre à suivre, même si euh, j'ai un petit peu moins d'idées que ces dernières semaines, j'ai un petit peu moins d'idées, un petit peu moins euh, d'imagination pour euh, euh, pour cette semaine. Le résumé de la semaine. Alors je sais que ce format euh, vous l'aimez, donc on continue le résumé économique de la semaine de la semaine. Alors c'est cool parce que du coup, euh, je vois qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui aiment, euh, bah, qui aiment la vulgarisation de l'économie. C'est vrai que pff, une fois sur dix quand on écoute des économistes, on n'y comprend pas grand chose. Or pour moi l'économie c'est pas quelque chose de très compliqué à condition de l'expliquer à peu près correctement et surtout à peu près simplement. Et donc je suis euh, très heureux de voir que ça vous plaît. Il y aura une vidéo d'ailleurs vraiment avec des, des spécialistes de l'économie qui va arriver. Normalement on enregistre la semaine prochaine donc vous aurez la diffusion. Euh, la semaine très certainement suivante. Euh, voilà, donc euh, c'est toujours intéressant, bien évidemment, au-delà euh, du simple fait de, 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 de vouloir gagner de l'argent sur les marchés. Toujours très intéressant pour une culture personnelle et pour la montée en compétences personnelles. Alors. Cette semaine, pff, pas grand chose, rien de nouveau sous le soleil, euh, à ceci près que, euh, et c'est d'ailleurs le sens hein, voilà, de, de, de cette vidéo-là, c'est aussi la, la réponse que je vais essayer d'apporter. Donc, on a eu un certain nombre de, de statistiques, euh, donc notamment euh, mercredi et jeudi, qui vont. Toujours euh, dans le sens, si vous voulez, euh, de ce qu'on se dit depuis, euh, depuis de nombreux mois hein, maintenant. C'est-à-dire que ben, mon scénario, vous savez, mon scénario sur l'inflation, je vous l'ai déjà exposé. Moi, je pense que nous sommes sur des rebonds, euh, que ces rebonds ne dureront pas. Je pense qu'on va revenir à une, à une inflation semblable à ce qu'on a connu précédemment. Euh, donc, il y a eu ces derniers mois euh, une reprise de l'inflation et tout le monde ça y est, disait ça, y est, ça repart l'inflation ça va repartir et là on a tous les, tous les spécialistes qui nous expliquent que ça moi je vous ai expliqué il y a la semaine dernière ou celle d'avant que pour moi ça ne repartirait pas c'était pas en tout cas c'était pas mon scénario principal je pensais que euh, nous étions plus sur un scénario euh, un scénario plus ressemblant à, à l'après euh, Seconde Guerre mondiale qu'un scénario ressemblant aux années 70 où en effet on avait eu après derrière euh, euh, une inflation qui était repartie. Donc moi bon, c'est pas mon scénario principal. Mon scénario principal c'est qu'on a des rebonds et effectivement on a vu que euh, l'inflation aux États-Unis on ben, repart un petit peu à la baisse. Alors Attention, ne pas confondre inflation et baisse des prix ce sont deux choses différentes. L'inflation, c'est la progression euh, des prix. Donc quand on dit que l'inflation baisse, c'est la progression des prix qui diminue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une augmentation des prix de 4%, vous allez avoir une augmentation des prix par exemple de 3%. Ça ne veut pas dire que vos, vos prix baissent, vos prix continuent d'augmenter, mais simplement ils augmentent moins vite que euh, la mesure précédente. Il est peu probable, euh, voire euh, pour moi impossible, qu'on revienne sur euh, des prix euh, d'il y a euh, deux ans, d'il y a trois ans, d'il y a quatre ans. Euh, là aussi, bon, on verra, mais euh, pour moi, c'est pratiquement. Euh Pratiquement impossible. Donc, euh, effectivement, dans ce cadre-là, euh, on, euh, on a une baisse euh, légère de l'inflation, à minima une stabilisation. Et pendant ce temps-là, et c'est là où c'est assez intéressant, on a des inscriptions au chômage qui continuent de progresser. On a euh, un PIB trimestriel au Japon qui, euh, a, euh, qui a une baisse quand même euh, assez importante, inattendue, donc ce qui dénote quand même d'un ralentissement euh, assez important. Euh, je parle du Japon, mais évidemment, euh, le, 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 pour le, le, aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose, l'indice manufacturé de la Fed, qui est également euh, de Philadelphie, qui est également en chute libre. Donc tout ça, pour moi, ce sont effectivement euh, des indicateurs, des indicateurs euh, intéressants, euh, qui me font de plus en plus confirmer le scénario que je vous propose. Le scénario numéro 1, toujours pareil, on a plusieurs scénarios. On essaie pas de deviner l'avenir, on essaye de, de, de comprendre un peu euh, où va le monde. Et donc, euh, le scénario, c'est de se dire que pour moi, il va y avoir, et on est en train de vivre petit, petit à petit, un ralentissement, euh, un ralentissement économique fort, probablement euh, effectivement une montée du chômage. Et donc, tout ceci à court terme euh, sont pour le marché, c'est tout le paradoxe, sont de bonnes nouvelles. Parce que le marché se dit, effectivement, si on a l'inflation qui baisse et en parallèle, ben, finalement, une économie qui diminue, voire même du chômage qui commence à augmenter. Que, va faire, euh, que vont faire les banques centrales Elles vont pivoter. Et donc ça, c'est très positif pour les marchés. On s'oriente. Vous vous souvenez de, 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 mon, de mon ticket de l'auto sur le fait que, un, on allait avoir un pivot des banques centrales euh, peut-être surprise avant, euh, avant l'été. Et ma surprise, que je joue toujours, alors c'est marrant parce qu'il y, y a un mois, quand je parlais de ça, on me disait que c'était impossible. Et là, j'ai vu qu'il y avait euh, deux ou trois articles qui disaient que c'était, c'était pas totalement impossible que Madame Lagarde pivote, donc la BCE pivote avant la Fed. Euh, et comme je vous l'avais dit précédemment, il faut qu'elle le fasse. Elle a tout l intérêt à le faire parce que, bien évidemment, nous, notre économie euh, en Europe et donc bien, euh, bien évidemment nous en France, elle est, euh, elle est déjà en grande, grande difficulté. Et donc maintenir des taux hauts euh, trop, euh, trop longtemps, ça va faire tout simplement ça va nous pénaliser de manière beaucoup plus profonde et ça risque d'être très dangereux et amener très certainement des crises sociales etc. Euh, en 2025 bref on verra tout ça euh, évidemment on s'aperçoit également que alors je ne me souviens plus si vous, vous l'avez montré ce graphique ou un graphique similaire précédemment, peu importe. En tout cas, c'est toujours un graphique moi, que je surveille de très près. Pour moi, le graphique qu'il faut surveiller, la donnée macroéconomique qu'il faut surveiller, c'est le chômage. C'est voilà, une des principales données euh, qu'il faut, qu faut regarder. Euh, parce que, effectivement, généralement, les euh, récessions... Euh, eh bien, euh, arrive lorsqu'on a effectivement des pics de chômage. On est sur un bas de cycle clairement hein, sur l'emploi, le, sur, sur, sur ou euh, sur le chômage plutôt, ou un hein, haut cycle sur l'emploi, peu importe euh, comment vous voulez le. De, de, de quel point de vue vous voulez le, le, le regarder. Mais en tout cas, euh, bien évidemment que... Euh, moi, je pense que ça ne va pas durer et je pense qu'en tout cas, c'est la donnée macroéconomique qui fera que les marchés, euh, eh bien, euh, effectivement, euh, eh bien, euh, ben, seront en difficulté. Euh, on, on évolue tout ceci, hein, bien sûr, hein, euh, et dans un contexte euh, où le, le VIX euh, est extrêmement euh, bas et donc la volatilité du VIX, c'est-à-dire, le, si vous voulez... Le, la volatilité, c'est le mot, la volatilité du VIX est extrêmement basse. Donc, il mesure, si vous voulez, le, le VVIX qu'on appelle, que vous voyez à l'écran, qui mesure la volatilité du VIX et qui, généralement, lorsqu'il est très bas, ce VVIX, le VIX, lorsqu'il est bas, généralement, c'est des, des marqueurs de, de, de marché très haussiers et très forts. Et lorsque le VVIX est très bas, c'est la même chose. J'aime bien regarder les deux, j'aime bien le, le VVIX aussi qui est à, qui est à votre écran. Et donc, on est sur un plus bas de 8 ans. Euh, ce qui signifie un, que effectivement on a un marché très complaisant, on a un marché qui est euh, effectivement très haussier. Euh, effectivement les points bas de marché sont faits euh, généralement euh, dans ces moments-là mais c'est également des moments où on a les plus beaux marchés. Euh, on a les plus beaux marchés aussi. Donc euh, évidemment, hein, tout ceci est euh, euh, dans, un, dans un contexte euh, extrêmement euh, positif. Bien évidemment, le contexte reste très positif. On a toujours la Chine euh, et grosso modo les pays émergents qui continuent euh, à pousser euh, tout ça aussi. Donc pour répondre un petit peu, si vous voulez, à, à la question euh, Un crash est-il possible Bien évidemment que oui, tout est possible, mais moi j'y crois pas, du moins. Je crois que euh, effectivement les marchés vont baisser de manière assez forte, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans le bon timing, d'accord. Comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que tant que euh, on aura euh, Powell qui ne pivotera pas, je vous rappelle que euh, le, les baisses de marché ont lieu de mémoire euh, 80, 100 jours, je crois, 90 ou 100 jours en moyenne après le pivot et les marchés baissent en moyenne de 25%. Donc Bon, le pivot, on ne l'a pas encore. A priori, on l'aura en septembre. Peut-être il y a une carte à jouer, moi, je le pense, euh, cet été ou, ou, ou avant l'été. Euh, du moins, pour, 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 pour l'Europe, pour la BCE, je pense que c'est quasiment sûr. Je pense c'est là, moi, la carte que je joue. C'est que Mme Lagarde va pivoter certainement au mois de juin. On verra. Euh, pour la Fed, ce sera un petit peu plus tard. Mais de toute façon, bon, on est là, hein, dans, dans, le, dans le laps de temps et que donc, voilà, je pense que euh, tant qu'il n'y euh, aura pas eu ce pivot-là, les marchés ne seront pas véritablement en danger, d'autant que les élections américaines arrivent et que je vois mal, euh, je vois mal un marché euh, américain s'effondrer avant éventuellement les élections. On verra par contre après, ça peut effectivement changer euh, beaucoup de choses. Voilà, euh, grosso modo, mon avis, euh, maintenant, bien évidemment, tout ceci est appuyé plus ou moins avec euh, des graphiques. Des graphiques, euh, on en a évidemment euh, pas mal. Et donc, on va démarrer toujours la même chose par les indices. Le CAC 40, moi, j'ai toujours la même analyse. La semaine dernière, je n'ai rien touché. La semaine dernière, je vous avez dit, attention, consolidation, pour revenir tester le niveau de 8120 jusqu'à 8080. Toujours 20 points au-dessus, 20 points en dessous de la centaine. Euh, donc voilà, il y a même peut-être un gap à aller chercher, vous voyez, euh, qui est euh, vraiment, euh, si on veut le tracer précisément, il est là à 8075. Donc voilà, tant qu'on est là, pour moi, c'est euh, positif, très positif même. Et je veux dire, euh, moi, j'ai toujours la, la même analyse hein. c'est que ce sont grosso modo des euh, graphiques indiciels sur les gros indices qui sont en range. Un petit peu, et que voilà, on a des bornes hautes et des bornes basses. On aura peut-être un signal supplémentaire pour aller chercher les 8004, mais euh, de toute façon, je pense que les ratios gains-risques ne sont pas à ce stade assez, euh, assez intéressants, du moins sur euh, les grandes capitalisations. Pas toutes, évidemment, au cas par cas, on va essayer d'en regarder quelques-unes, euh, mais grosso modo, voilà c'est pas forcément hyper intéressant, alors là, c'est vrai que de, depuis trois jours, tout le monde s'affole, effectivement le CAC, on n'est plus habitué, hein on n'est plus habitué, mais dès que le CAC perd euh, voilà, 2%, 1% et demi, 2%, ça y est, c'est le début de, euh, du crash, c'est le début, machin. pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on a cassé la moyenne mobile, on est en train de s'y appuyer, on a le niveau support aux alentours des 8080, très sincèrement, il n'y a aucune raison à ce stade de s'affoler, tant qu'on tient les 8080, voilà si on casse, même si on venait à casser les 2080, tant qu'on reste au-dessus des 7009, vraiment, il n'y a, a absolument rien à craindre. Le problème, c'est qu'on zoome toujours beaucoup trop sur les graphiques. Et regardez le graphique mensuel, franchement, est-ce que là, alors euh, attention, hein, est-ce que c'est intéressant d'investir long terme Pour moi, non. Mais pour autant, est-ce que c'est est, est le moment de s'inquiéter euh, outre mesure Franchement, est-ce qu'il y a des signaux vraiment très négatifs lorsqu'on regarde ce graphique-là ah, très sincèrement, je pense pas. D'accord. Donc peut-être ce sera le point haut, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de signaux assez forts. Donc ça évidemment c'est pour le CAC. Le second qu'on regarde beaucoup, vous le savez, parce que c'est celui qui nous a apporté beaucoup de bonheur ces dernières semaines euh, et, et, et même plus largement sur les MIDs. Euh, évidemment c'est le CAC Small, hein, le CAC Small qui a repris. Souvenez-vous euh, depuis le point bas ici du 18 euh, avril qui a repris plus de 11%. Je vous avais dit la semaine dernière. Voilà, moi, ce qui va m'intéresser, c'est si on arrive effectivement à casser la zone, l'ancienne zone de résistance ici. Et après, vous avez dit ce que j'attends, ce que j'espère, et ce qui visiblement est en train de se mettre en place, c'est une consolidation. Une consolidation, ce serait vraiment le top, qu'elle soit la plus euh la moins volatile possible, la plus concentrée possible et euh, euh, la plus longue possible. Voilà. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce scénario-là, pour le moment, il est, euh, il est en cours. Voilà. Alors, ça fait trois jours, ça peut durer. J'espère que ça va durer peut-être jusqu'au début du mois de juin. On le sait généralement la période juin-mi euh, juin, -juin jusqu'à euh, début juillet-mi juillet, mi -juillet est une bonne période pour le pour les actions. Est une bonne période généralement pour les mines small. Donc, effectivement, si on devait projeter un scénario, eh bien, j'aimerais bien quelque chose qui ressemble à ça. Donc, pour moi, euh, voilà, tant qu'on tient sur les, les, les small, tant qu'on tient les 12 300 points, RAS, c'est de la conso, c'est de la congestion, et je dirais même que c'est la formation de futures opportunités pour, euh, pour pourquoi pas, l'avant-été, disons, euh, mois de mois de juin, et peut-être même début juillet. Euh, voilà. Euh, Grosso modo, euh, ce que je voulais vous dire sur le CAC 40. Maintenant, évidemment, on va passer aux actions euh, et on va démarrer par Stellantis. Alors, Stellantis, je vous avez proposé euh, un achat de rebond hein, technique, rebond technique. Il y a eu, donc, on avait proposé un achat euh, vendredi dernier au-dessus des 20,43. Donc, il y a eu effectivement une petite poussée, mais je vous l'ai dit également, c'est du rebond technique car pour moi, la zone n'a elle, elle pas été touchée encore. La zone elle est plus aux alentours des 18 jusqu'à 19. D'accord, donc pour moi, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dessiné. Hein, voilà du rebond technique, mais voilà du zigzag et de la formation de figures. Voilà, on peut imaginer, alors c'est beaucoup trop tôt, hein, bien évidemment, pour le dessiner, mais on peut imaginer euh, pourquoi pas. Voilà une sorte de, de, de biseau de, de ce que vous voulez, et euh, quelque chose qui serait beaucoup plus lent, beaucoup plus euh, congestionné pour ensuite éventuellement repartir. Donc pour moi, c'était l'antis. Me tromper, mais il euh, n'y a pas véritablement d'opportunité en tout cas très très forte sur le titre. Et par contre, voilà si vous êtes investisseur, effectivement, donc vous le voyez, il hein, ya a l'oblique euh, qui est ici et euh, le point de passage, donc de toute cette euh, ce, ce, ce support hein, euh, horizontal, donc tout, toute cette zone en dans l'ellipse là, effectivement, entre le donc les 18 à 19 euros, 19 euros 30, 19 euros 40. Ok. Euh, donc voilà pour, euh, pour Stellantis alors Kering, bah, Kering elle, a, elle, a bien, elle a bien rebondi mais c'est décevant à ce stade c'est encore décevant euh, on avait parlé de la congestion ici donc Kering c'est une tendance baissière là on parle de trading, c'est une tendance baissière et on voit que bah, pour le moment hein, le gap effectivement a fait euh, office de, bah, de résistance assez propre euh, donc voilà pour le moment on en est là attention quand même de ne pas euh, venir casser ici cette zone en pointillé. Euh, par contre, voilà, si on arrive à bien congestionner, bah, éventuellement, si on arrive à bien s'installer, bien rester là, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour tenter des rebonds euh, un petit peu plus, euh, plus importants. Bon, voilà. Euh, ça reste fragile. Euh, en même temps, c'est une tendance baissière. On, on le voit bien. Hein, on est sous la moyenne mobile à 200 jours qui est baissière. Mais euh, je pense qu'il y a... Peut-être si le marché arrive à rebondir la semaine prochaine, il y a peut-être quelque chose à tenter. BNP Paribas, euh, donc on fait le suivi, je sais qu'elle est, elle est très appréciée. Alors souvenez-vous, on avait tracé un petit peu cette, cette, cette config là, hein, ce cadrage là, et on avait dit quoi On avait dit que ce, qu ce qui nous intéresserait, c'était on avait tracé la cassure et éventuellement la congestion. Et la congestion nous donnerait soit effectivement un signal haussier, soit effectivement... Euh, la, la congestion casserait par le bas et on aurait un retour sur cette zone là. Euh, visiblement, c'est pas visiblement, c'est même sûr, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu effectivement la congestion, on le voit, elle a été très très propre, qui a eu lieu euh, donc ici. Voilà, superbe congestion. Derrière, on fait le break et on accélère. Et je dirais même que là, on a la mise en place d'une nouvelle congestion avec un double top qui est en train de se mettre en place. Donc pourquoi pas euh, en, cas de, en cas de break. Hein, en cas de break euh, de cette zone, hein, de, de, des 72, euh, voilà, 72, 20, 72, 25, pourquoi pas obtenir une nouvelle accélération du Donc, on est positif sur le titre. Euh, là aussi, pour du moyen terme, si vous voulez savoir où mettre le stop, bah, vous pouvez tracer tranquillement des petits voilà euh, des petits canaux, des choses comme ça. Voilà, vous tracez des petits canaux, tiens, je vais les mettre en bleu, par exemple, avec des petits pointillés. Voilà, on va se la mettre comme ça. Voilà, vous tracez des petits canaux comme ça, et vous, vous dites que tant que vous êtes dans ce canal haussier, bah, a priori, il n'y a, euh, a pas de raison importante de sortir de BNP, pareil. Euh, on passe à un titre suivant. Donc, le secteur... Euh, hop, Forvia. Donc, Forvia va aller haut, même combat. Donc, euh, pour moi, ce qui est intéressant... Sur Forvia, alors c'est une tendance baissière. Euh, c'est une tendance baissière qui était intéressante. Euh, intéressante parce que nous étions effectivement revenus ici, là, sur cette zone-là. Voilà, on le voit bien ici. Euh, ce qui était intéressant, alors c'est pour vous du rebond, hein. c'est pour vous du rebond euh, technique à ce stade, mais euh, effectivement ce qui était intéressant, c'était euh, la congestion, la congestion euh, et le break. Donc il y avait effectivement ici une zone de support, 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 euh, résistance, résistance, résistance. On a fait la congestion, on a breaké. Maintenant, ce qu'on va euh, regarder vraiment et ce qu'on va observer, c'est la capacité euh, de Forvia donc euh, de revenir éventuellement dans cette zone ici et éventuellement de donner un nouveau signal. Et donc euh, évidemment hein, tout le secteur euh, euh, comme comme Valéo, hein, tout le secteur euh, auto et accessoires auto, surtout accessoires auto, euh, évidemment, pourrait euh, en profiter. Pièces détachées, tout ça, euh, tout, tout ce secteur-là, un petit peu déprimé euh, depuis de, de nombreuses semaines, de nombreux mois même, je dirais, pourrait éventuellement en profiter. Voilà. Donc, positif sur euh, tant qu'on contient les 15 euros pour être euh, simple, et je dirais même que si on a un retour ici avec la congestion, ça peut être effectivement une belle opportunité d'achat. Celle qui nous a évidemment rempli de joie. Et je vous remercie parce que, euh, bien évidemment, euh, je le fais à chaque vidéo, mais euh, merci beaucoup pour vos messages, euh, toujours extrêmement euh, bienveillants. C'est vraiment euh, super, super agréable. Donc, effectivement, euh, Soytech euh, elle a fait, euh, voilà, on l'a surveillé, souvenez-vous, dans le bisou descendant, on avait proposé un achat euh, au-dessus, euh, effectivement, des. De la zone là, des, des 92-45, donc superbe. Derrière, il y a une belle progression. Donc, moi, je suis toujours, on est toujours actionnaire. Alors, je crois qu'ils annoncent des résultats. Je crois que c'est mardi ou mercredi. Donc, faites attention. Nous, on va sortir hein, euh, clairement de, du titre. On est dans le gap. Bon, peut-être on va aller combler le gap, mais oui, c'est sûr que derrière, c'est une progression de quasiment, euh, quasiment plus de 20%. Plus de 20%, donc hyper intéressante. Euh, c'est pour ça que les tendances baissières, hein, euh, souvent on, on parle souvent de, des tendances fortes, des titres faibles, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ce qui est toujours très intéressant, c'est de mesurer la volatilité d'un titre. Et souvent, les tendances baissières sont plus volatiles. Donc, dans les rebonds, si vous voulez, euh, dans, dans les rebonds, euh, vous avez des perspectives de gain qui sont euh, plus intéressantes. Que, que sur des, des titres forts. Moi c'est pour ça que je, souvent on me, le, on me dit, on me dit oui, pourquoi tu montres euh, pas que des tendances haussières Parce que sur des, des tendances baissières comme soytech, et euh, eh bien vous avez, euh, si vous y prenez correctement, vous avez des potentiels de gains qui sont élevés. Hein. Là regardez, hein, c'est en quelques séances seulement. Euh, là c'est en euh, 15 séances, 3 semaines. Trois semaines de bourse, et eh bien effectivement, trois semaines, c'est 25% de gain pour une action qui est extrêmement liquide et c'est peut-être peut même pas fini. Donc, vous voyez, c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh, donc voilà pour SoyTech, donc toujours très positif. Voilà, si vous voulez garder pour vous et effectivement euh, un reliquat, bon pourquoi pas. Moi, à titre personnel, je vais sortir mon résultats comme ça, comme je le fais tout le temps d'ailleurs, sauf si vraiment il y a beaucoup d'avances. Mais bon, voilà, là, je préfère je suis toujours attendre d'y revenir, vous savez, euh, une action. Je parle en swing trading, alors attention, investisseur, quand vous décidez, c'est là aussi où je, je, je vais préciser parce que souvent la question me revient. Euh, Lorsqu'on veut investir sur du long terme, on ne sort pas euh, avant les résultats. Puisqu'on considère qu'on investit à long terme, on croit. À la société long terme, on croit que la société euh, va être positive dans deux ans, dans cinq ans, donc au contraire, presque on achèterait euh, avant les résultats, puisqu'on croit en la société en l'occurrence sur du swing trading, donc sur, sur, sur du sur de l'investissement court terme, euh, les résultats nous on joue des mouvements de prix techniques. Donc, les résultats finalement ils ont peu d'importance euh, pour nous et surtout ils nous, ils nous intéressent pas. Donc, on sort, donc vous voyez toute la différence entre l'investisseur et le trader. On peut avoir des prix d'achat similaires, c'est autre chose. On va le voir d'ailleurs sur Alibaba, typiquement. Alibaba, euh, j'ai acheté moi avant les résultats et d'ailleurs, j'ai proposé l'achat au salon avant les, avant les résultats. Euh, d'ailleurs, euh, euh, bon, derrière, il y a eu une sanction, ça a été, 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 été rebondi etc. Mais parce que pour moi, de toute façon, que le résultat soit moyen ou excellent, de toute façon, ce n'était pas, pas très grave parce que j'estime... Et, et on le verra en fin de vidéo, j'estime que le potentiel d'Alibaba sur 3 ans, sur 5 ans, il est important. que finalement, les résultats là, aujourd'hui, c'est du bruit de marché. Euh, contrairement à Soitech, où là, par contre, si je repère, si les résultats sont mal appréciés, qu'on perd 10 ou 15% en, en 24 heures, là, par contre, bah, vous avez bouffé toute la 15 jours de trading et toute la hausse. Donc là, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ok euh, voilà un petit peu euh, j'avais mis je viens de le voir j'avais mis deux fois sur e -Tech, donc euh, on le on la verra euh, effectivement qu'une seule fois euh, ArcelorMittal, Metal donc ArcelorMittal en effet euh, hop ArcelorMittal, en effet donc ArcelorMittal, pour moi alors c'est le graphique hein, je vous en avais parlé c'est le graphique euh, voilà ce graphique mensuel qui m'intéresse euh, en observation bien évidemment parce que pour moi vous voyez on est capé par cette euh, résistance ici mensuelle aux alentours des 30 euros et ce que je trouve intéressant sur Arcelor c'est que vous le voyez on a une congestion qui est extrêmement forte une congestion extrêmement forte accompagnée euh, de volumes euh, également eux euh, extrêmement euh, importants d'accord donc effectivement euh, on peut se dire euh, que et euh, eh bien que euh, tout ça euh, peut être à un moment donné accompagné d'un mouvement euh, très directionnel. Donc ce que je vous propose, peut-être, hein, si vous voulez, euh, on n'a pas de signal d'achat hein, là pour le moment, mais pour moi, le signal, premier signal sort au-dessus des 27 euros pour aller effectivement aller chercher la zone des 30 et éventuellement breaker. Maintenant, si vous êtes vraiment encore plus agressif que ça, euh, effectivement, vous pouvez, voilà, en daily, hein, euh, ce qui est intéressant, c'est que même en daily, on a une grosse congestion. Ici-là, on le voit, hein, on a les prix qui, qui depuis euh, début avril, sont, ont bien congestionné. Peut-être qu'il y a un double top ici qui est en train de se former. Alors, on est entre midi et deux. Hein, on change cette, cette vidéo. Euh, mais peut-être que, effectivement... Un Mouvement euh, au-dessus des 24-42 peut être d'abord une, une petite prise de, de position. Le stop il est assez clair, hein, il est au sous les 23, grosso modo, pour aller chercher effectivement les 27 et ensuite un petit peu plus haut. Voilà, ça vous avez eu les deux aspects un peu euh, effectivement euh, euh, trading et, euh, et, et, éventuellement, euh, et éventuellement plus investisseurs de, de moyen terme. On passe à Alten, on fait le suivi. Hein, Alten, donc nous on est sortis. Euh, ben on est sorti ce matin. Euh, voilà. Donc on avait pris, souvenez-vous, vous avez proposé un achat à proximité de, de l'oblique sur signal, euh, puisque nous avions eu effectivement euh, donc le signal d'achat. Avec le stop en dessous, hein, vous vous souvenez, le stop était à peu près par là de mémoire, et donc derrière on a briqué, et ça nous a permis effectivement de sortir. Donc, comme je vous avais fait le signal d'achat, je vous fais également le, entre guillemets, le, le, je vous tiens au courant de, du suivi de trade. Donc, on est sorti, on s'est fait sortir sur stop. Moi, mis un stop juste ici. Euh, on verra éventuellement si dans les prochains jours on a une conso et une congestion qui se met en place pour vouer éventuellement un nouveau signal. Voilà, pour le moment, c'est la sortie, donc c'est un gain de 10%, je crois, à peu près. Euh, voilà, 10,50%, donc c'est pas mal hein, quand même, vous voyez, tous les délais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances, on va dire, grosso modo, ben, effectivement. et un risque très petit, hein, puisque là, vous voyez, c'était un risque de 3%, 3,5%, donc derrière, c'est quasiment x3, 1 pour 3, donc ça veut dire qu'il suffit d'avoir raison plus d'une fois sur 3 pour pouvoir être rentable, donc c'est extrêmement, euh, évidemment, extrêmement intéressant, voilà, donc je vous la montre comme ça, pour faire le suivi, parce que je sais que vous aimez bien aussi. Euh, je vous montre quand ça marche, je vous montre quand ça marche pas. Euh, et effectivement, euh, là pour le coup, bah, ça a plutôt pas trop mal, euh, pas trop mal fonctionné. Euh, on avance avec CGG. Ah bah, CGG. Alors je suis, je suis assez content, évidemment. Alors il y a eu l'annonce d'Alta qui a propulsé le titre la semaine dernière. Vous avez proposé, souvenez-vous, la théorie du, du faux faux breakout, le setup. Euh, je vous renvoie. C'est important, hein. je vous renvoie à la, à la vidéo précédente euh, sur CGG. J'ai fait toute la, toute la démonstration qui dure 2-3 minutes. Euh, bon, ben voilà, hein. Alors les résultats eh bien, évidemment ont aidé, mais euh, voilà, il s'est passé très exactement ce qu'on avait euh, espéré. Vous avez proposé un premier objectif à 0,55, il a été touché. Maintenant, pour moi, euh, voilà, je ne fais plus le suivi sur CGG tant qu'on n'a pas un nouveau signal. Euh, Qu'est-ce que ce serait comme nouveau signal Ce serait toujours la même chose, une petite congestion. Euh, voilà, si on a une petite congestion, et bien effectivement, on pourra tenter quelque chose euh, pour le titre. Moi, j'ai vendu euh, avant l'annonce des résultats, parce que pour moi, ce n'est pas du long terme, c'est du swing, et donc je n'ai pas pris le risque. Pour le coup, ça m'a donné tort, mais ce n'est pas un souci. Euh, voilà, nous on était rentrés par là, moi j'étais rentré par là, et du coup j'ai vendu ici la veille des résultats. Donc c'était quand même un gain assez intéressant, mais c'est vrai que bon, ben, le lendemain qu'on ouvre à, à plus de 20%, on s'est dit, bon, j'aurais peut-être euh, pu garder ou dû garder, mais non, euh, je, je reste fidèle euh, effectivement à, à la méthodologie. Euh, voilà pour CGG. Elior, elle, elle aussi, qui a annoncé de, de, bah, des résultats quand même assez intéressants. Et euh, derrière, voilà, euh, on en avait parlé hein, d'ailleurs. Donc le bisou de s'en est ici, nouvelle, euh, La nouvelle figure, effectivement, euh, pareil, qui était euh, là. Euh, le même, finalement, le même. Hein, et puis derrière, pff, on a eu le break. On a eu même ici, voilà, regardez, le double top, comme d'hab, hein, j'allais dire du classique. Hein, le double top. Euh, des 2,75 euh, derrière on casse le double top et regardez derrière ce que ça fait voilà c'est des setups que, que vous avez l'habitude de voir hein, que je vous montre régulièrement il n'y a, a pas de magie il n'y a pas de voilà il hein. euh, y a pas d'indicateur miracle il n'y a pas de non on utilise que le prix les volumes la volatilité et puis, euh, et puis euh, euh, on joue un petit peu avec les probabilités si vous voulez euh, c'est tout euh, maintenant pour moi Edior euh, euh, objectif atteint c'était un petit peu même, je dirais, mon, mon TP final. C'était un petit peu mon TP final. Voilà, toute cette zone-là, vous voyez, c'est une zone qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, plus qu'au moment de gap. Donc voilà, pour moi, euh, Elior, si vous êtes dedans, une partie des bénéfices, euh, stop éventuellement à zéro. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va attendre si on veut rentrer Eh bien, on va attendre toujours pareil la petite congestion euh, qui aura lieu là, qui aura peut-être lieu là, peu importe, pour jouer effectivement une relance supplémentaire du titre. Ok euh, Dans la même veine de Richebourg, qui se remet, qui se remet doucement, euh, et qui a même cette semaine, hop là, je vais effacer tout ça, qui a même cette semaine, hop, je fais un peu le ménage, hein, vous m'excusez, euh, vous m'excuserez, et vous m'excusez. <laughs> euh, derrière, voyez, oh, ce qui était intéressant, voilà, c'est ça, c'est le break, enfin le break hein. Euh, voilà, le break de 7 obliques ici, break, et là on a le pullback. Donc c'est intéressant, euh, moi je pense qu'il faut la surveiller de très près, et donc éventuellement si on a une congestion la semaine prochaine là-dedans, euh, moi je pourrais éventuellement prendre une petite position. Si on a une ou deux bougies de plus là-dedans, là, en congestion, effectivement on pourra tenter quelque chose. D'accord Il y a un gros potentiel, hein. il y a un énorme potentiel sur de Bourg. Donc, qui est lié euh, à Elior. Euh, et donc je pense qu'effectivement, on peut avoir un mouvement spéculatif la semaine prochaine. J'aurais pu le mettre dans le titre à suivre. Ça aurait été même peut-être un, un petit peu plus inspiré que celui que j'ai trouvé. Mais bon, en tout cas, euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça fait partie de, des titres qu'il faut regarder euh, la semaine prochaine. Valeo. donc Valeo, il y a du mieux. Il euh, euh, y a du mieux, même si aujourd'hui, elle est un gros conso. Euh, donc voilà, nous on avait une position, on s'est fait sortir d'ailleurs aujourd'hui. Euh, donc on avait acheté au-dessus des 12,41 ici. Donc c'est du trading, et bien sûr. On s'est fait sortir là. Donc en gain ça va, mais euh, je la surveille toujours hein, parce que pour moi elle va finir par partir. Euh, et donc voilà, tout, tout ce secteur là, on revient faire un appui. Voilà, le problème de Valéo c'est qu'elle est très violente. Elle est très violente. Tout ce secteur là, même fort vient, hein. c'est hyper violent. Donc moi je préfère toujours. Euh, sécurisé au maximum, quitte à y revenir de fois. Euh, Valéo, cette année, je crois qu'en swing, on l'a tradé quatre ou cinq fois, vous voyez. Donc, c'est pas un problème. Euh, on l'avait tradé ici, on, on avait vendu ici. Après, on l'a acheté ici, on l'a vendu ici. Bon, voilà, on l'avait même tradé, je crois, par là. C'est pas un problème, ça. Euh, voilà, on essaye juste euh, tout simplement de limiter au, au, au mieux le risque. Et ce que je vais regarder pour Valéo la semaine prochaine, c'est effectivement la capacité du titre à tenir la zone des 12,45€. Si on tient la zone des 12,45€ qu et qu'on congestionne et qu'on break, derrière, ça pourrait être intéressant cette fois-ci de jouer à nouveau, euh, à nouveau un nouveau mouvement. Le problème, si vous voulez, c'est que. Euh, euh, le problème entre guillemets hein, c'est que si vous voulez euh, le marché est fait de vagues les vagues elles sont euh, petites il y en a des grandes il y en a des petites et on sait on sait on visualise techniquement quand est-ce qu'une vague commence Ça vous le voyez. Quand est-ce qu'une vague éventuellement commence Mais ce que vous êtes dans l'incapacité totale et moi le premier de faire, c'est de visualiser la force de la vague et surtout la longueur, l'amplitude de la vague. Et donc voilà, nous ce qu'on fait, ben, il y a des fois on rentre effectivement dans une dans une vague et puis finalement c'est une petite vague, donc on ressort. Et des fois, eh bien, vous voyez là par exemple on est rentré dans une vague et c'était une toute petite vague. Euh, ici on est rentré dans une dans la vague et c'était une vague un petit peu plus Intéressante. Donc voilà, on rentre à chaque fois dans un début de vague en se disant on verra bien. Et quand la vague commence à prendre et qu'on voit que c'est une vague qui commence à être importante, on accompagne le plus longtemps possible. Il est impossible, à ma connaissance, il est impossible de déterminer l'amplitude d'une vague. Euh, les probabilités peuvent augmenter lorsqu'on a des marchés euh, indiciels favorables, lorsqu'on a des secteurs euh, favorables, lorsqu'on a euh, des titres avec des fondamentaux favorables. Mais ce ne sont que des probabilités et on n'a aucune certitude. et Il est impossible, à ma connaissance en tout cas, euh, il est impossible de déterminer l'amplitude d'une vague haussière. D'accord C'est pour ça que moi, dès que ça faiblit, je sors. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Euh, mais je ne suis pas parfait. et Il y a certainement euh, euh, des, des personnes qui sont beaucoup plus compétentes et qui arrivent plus facilement à détecter les, les vagues importantes. Voilà. Euh, Trigano. Alors, Trigano... Euh, comme souvent, les résultats sont vendus, ça c'est pour ceux qui la connaissent, on est habitué, hop, je nettoie un petit peu mon grave, voilà, bon, Trigano pour moi, hein, on évolue toujours dans, dans quelque chose qui est un peu comme ça, euh, c'est pas la plus propre, elle n'a jamais été très très propre, hein, Trigano, euh, voilà maintenant c'est appui euh, sur cet oblique là ça reste pour moi positif mais bon voilà c'est pas le titre du siècle non plus alors fondamentalement si hein, fondamentalement, fondamentalement c'est intéressant mais je parle techniquement techniquement je trouve que bon c'est pas c'est pas facile quoi c'est pas un titre facile alors voilà il y a cette zone effectivement euh, de résistance qui fait désormais support mais c'est pas un titre propre vous voyez, c'est un titre erratique, c'est pas un titre agréable à trader. Euh, voilà, donc je suis plutôt sur un titre qu'il va falloir accumuler petit à petit dans la baisse plutôt qu'un titre euh, à trader de manière euh, simple. Voilà, pour autant, euh, je considère que tant qu'on tient les 136 euros, ça reste positif pour moi sur Trigano et, euh, et éventuellement, euh, l'objectif c'est d'aller chercher les 188. Par contre, si on commence à repasser sous 136, 135, euh, soyez quand même un petit peu vigilant. Euh, je suis sur quoi Trigano Alors, du coup, je vais remplacer le, le, le double note Swatek. Je vais le remplacer par une petite valeur, toute petite valeur. Je vous fais confiance pour ne pas faire n'importe quoi comme d'habitude. C'est CGDIM parce que quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu penses de CGDIM Et euh, c'est vrai que bon, sur Twitter, j'en ai, ai parlé une fois, mais je ne sais pas trop en parler parce que c'est très peu liquide. Euh, vous voyez, en moyenne, c'est. Euh, il n'y a rien quoi là dessus c'est voilà c'est 72 000 euros en moyenne échangée par jour donc c'est très petit par contre effectivement alors ce que je voulais vous montrer c'était ça euh, c'était effectivement les ce qu'on ne qu comprend pas trop vous voyez depuis avril euh, ça ce sont les achats les achats qui ont été réalisés ce pas des petits achats hein. 450 000 euros 68 000 euros 84 000 euros les achats administrateurs dirigeants etc euh, donc il y a, euh, y a euh, plusieurs millions d'euros de, hein, qui ont été euh, euh, achetés sur le mois d'avril. Euh, donc bon, ça effectivement, ça me ça, ça, ça pose question. Moi, j'ai pris une toute petite ligne vraiment pour la suivre, pour l'avoir en fin de portefeuille pour pas l'oublier. Euh, mais, euh, mais bon, euh, vraiment, le problème c'est qu'encore une fois, c'est très peu liquide et que c'est pas évident. Voilà. Et donc, il y a eu un rebond, mais pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Donc on verra si à un moment donné, il y a un petit peu plus de volume qui arrive, etc. Je pense que là par contre, il faudra renforcer, pourquoi pas, renforcer en cas de passage au-dessus des 15 euros, grosso modo. Euh, essayer de, de renforcer dans la mesure des possibilités du carnet d'ordre. Voilà, ça reste un, tit un titre très petit. Euh, alors c'est c'est de la vous connaissez probablement, euh, c'est de, 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 de la collecte et de la transmission de, de données. Euh, notamment euh, médical, mais pas que, je crois qu'ils font également, euh, euh, ils s'occupent également de, 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 de l'assurance, également, etc. Euh, voilà, donc euh, c'est pas, pas une boîte fantastique, mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose. Donc, ça, voilà, euh, on verra dans quelques semaines, voire dans quelques mois, on aura très certainement une réponse. Mais pour le moment, c'est euh, globalement plus de la surveillance. Un petit titre, alors qu'on a beaucoup tradé pour ceux qui étaient là. Euh, au moment, de, au moment du Covid, hein, c'était groupe LDLC. Euh, on en a beaucoup parlé de 2020 jusqu'à 2021. C'était un, euh, un trend fabuleux. Hein. Euh, voilà, il y avait vraiment des choses à faire par là, etc. Et puis derrière, on a eu une, une superbe progression. Et puis depuis, c'est la Bérésina. Euh, c'est la Bérésina. Depuis, le titre accuse quand même une perte de moins, moins 75%. Vous voyez donc c'est une catastrophe, mais, 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 mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est revenu effectivement sur un niveau, euh, voilà, un niveau extrêmement intéressant sur, sur, sur le point de vue de, de long terme, de zone clé, puisque vous voyez, c'était un niveau qui avait fait résistance ici en janvier 2020 et qui a fait euh, euh, support pardon, euh, ici en 2023 et, et au mois de février et de mars euh, de cette année. Et donc, vraiment, alors pareil, hein, ce pas des titres hyper liquides, hein, malheureusement, tous ces titres-là, ils se sont asséchés, il euh, y a eu des, voilà, des choses encourageantes, euh, avec une belle congestion ici, une oblique ici, on a breaké, on voit que ça tient, on voit que le titre tient, il y a, y a des choses à faire, donc on verra, tant qu'on tient euh, la zone des 16,80€, considère qu'il y a un potentiel supplémentaire, Alors, il y a des gaps, hein. il y a des gaps à aller, euh, à aller chercher, notamment ici. Euh, mais voilà, attention, c'est peu liquide aussi, c'est en moyenne 40 000 euros échangés, c'est encore pire que ces dit vous voyez. C'est le problème de ces titres-là, hein. malheureusement, en France, beaucoup de small cap, c'est là où on voit la différence, notamment avec vous voyez par le passé hein. là on avait voilà, des journées à 2 millions d'euros 2 hein. millions d'euros échangés en moyenne euh, en février 2021 vous vous rendez compte un petit peu c'était 1 400 000 euros échangés par jour sur le groupe LDLC aujourd'hui on est à 40 000 euros euh, c'est là où on voit quand même qu'il que y a un problème quoi. il hein. y a un gros problème sur, les, sur le marché français euh, et c'est c'est un problème malheureusement qui nous touche toutes et tous et je comprends notamment que les gérants de fonds, même si potentiellement, je ne parle pas des groupes LDLC, je parle de manière générale, même si des, des small caps peuvent avoir des valorisations attrayantes, euh, je comprends que certains gérants de fonds aient beaucoup de mal euh, à rentrer parce qu'ils se disent aussi, le jour où il va falloir que je sorte, comment je fais Si vous voulez rentrer un million, ne serait-ce qu'un million d'euros sur groupe LDLC, euh, vous pouvez vous lever tôt. Franchement, ce n'est pas évident. Donc, et tout ceci, si vous voulez, euh, appuie sur le fait que c'est pour ça que les small caps, quand même, ont globalement sous-performé, euh, notamment en 2023, ça va mieux depuis quelques, depuis quelques semaines, mais globalement, ça explique aussi, euh, évidemment, pourquoi les small caps, notamment françaises, ont largement sous-performé. Est-ce que ça reviendra Est-ce que des flux reviendront Je ne sais pas, parce que même vous voyez avec la belle progression des small caps qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, lorsque vous regardez les carnets d'ordre, euh, c'est pas, c'est pas fou, hein. franchement, on peut pas dire qu'on a des, qu'on a des flux extraordinaires. Donc voilà, groupe LDLC au-dessus de, de 16,80, c'est quand même globalement euh, positif, même si encore une fois, on sait qu'à un moment donné ou un autre, la liquidité peut porter préjudice. Veolia, alors moi c'est une action effectivement que je tradais beaucoup, euh, notamment voilà, de 2020 et surtout avant voilà euh, 2020, euh, voilà c'était ça, 2020-2022, c'est belle tendance haussière. Euh, le problème, c'est que si vous voulez, pour moi, Veolia elle, elle évolue dans un canal. C'est pour ça que j'en parle moins. Elle évolue dans un canal, et euh, pour moi, on est plutôt, voilà, on est plutôt sur le haut de le, le haut de canal. Donc, pour moi, que ce soit pour un investisseur ou un trader, pas convaincu, voilà, pas convaincu, euh, ça reste une très très belle valeur que j'apprécie beaucoup. Euh, J'aimerais à minima, hein, je dirais à minima, un repli. Voilà, on va tracer voilà, un minimum un repli peut-être euh, à proximité de cet oblique. Voilà, pourquoi pas. Mais vous voyez, j'ai l'impression que ça plafonne. Et si on prend un peu de recul, finalement, euh, Veolia, hein, ça fait grosso modo, euh, voilà, ça fait depuis quand même un euh, ben an un an, un peu plus d'un an, au fait du zigzag, quoi. Et le problème, c'est que comme elle a pas... Décidément, j'arrête pas de taper dans ce micro. Euh, comme elle n'a pas une amplitude directionnelle, si vous voulez, extraordinaire, ben, bah, vous voyez, entre le bas et le haut de range, vous avez quoi Vous avez euh, 10-12%. de vous voyez, 10-12%. Si vous chopez le point bas et que vous rendez le point haut. Donc, euh, vous voyez, entre les deux, si vous prenez le cœur de ce mouvement, vous allez prendre quoi 3-4%, vous allez payer la, allez payer la, la, la TTF et tout voilà, donc ça n'empêche pas que fondamentalement, c'est un titre qui a du sens, mais pour du trading, vous voyez, il y a mieux à faire. Et donc voilà, je vais enfin parler de ST Micro, cette fois-ci je l'oublie pas, j'en oublie toujours une, certainement qu'aujourd'hui encore je vais en oublier une, mais je vois que vous êtes sympa, vous m'en voulez pas trop, donc ça c'est plutôt cool. Euh, ST Micro, donc moi j'en ai un petit peu. Euh, alors, c'est là où, voilà, pour un investisseur, alors je vais la mettre d'abord en, en mensuel. non, plutôt en hebdo, hein. il me semble que c'était plutôt en hebdo. Voilà, en hebdo, pour moi... Un investisseur, c'est là où tout le monde dit ça vaut rien, c'était micro, etc. Moi, je garde mon analyse technique. Un investisseur, sur ce niveau-là, il doit prendre une partie. Voilà. Il doit garder effectivement si... Euh, derrière ça se désagrège un petit peu plus, il doit avoir un renfort prévu un petit peu plus bas, donc dans la zone, deuxième zone, 28 à 31, mais euh, moi je, je, je l'assume, hein. vous savez, j'assume je, je, toujours, il n'y a pas de problème, et très certainement que je me tromperai, et vous le savez, puisque vous me suivez pour certaines et depuis longtemps, je me trompe très souvent euh, et je m'en excuse en tout cas, mais en tout cas, au moins, je me mouille et je me mouille avant euh, plutôt que lorsqu'on arrive sur des plus hauts de dire c'était une opportunité d'acheter il y a trois mois, ça sert à rien. Je préfère me mouiller avant et donc je me mouille pour rester micro sur cette zone de prix là pour un investisseur. Je pense que c'est pas déconnant de prendre une euh, demi-position à renforcer au cas où sur les 28 à 30 euros. Ça, c'est pour l'investisseur, pour le trader. Euh, nous, on a pris euh, effectivement une ligne pour euh, jouer justement les deux, c'est-à-dire jouer à la fois le trading et l'investissement. Nous, on est rentré à la cassure, vous le voyez, de la congestion là. Euh, le stop est mis au prix d'achat. Euh, maintenant, voilà, pour le moment ça va, il y a, y a, y a un, un petit marteau qui apparaît, j'espère que ça va se clôturer comme ça, pour éventuellement repartir, mais je pense que, voilà, on est plus dans un phénomène de figure qui peut durer comme ça, et on verra éventuellement à la cassure de, de la figure, s'il y a quelque chose à jouer. Euh, voilà, grosso modo, donc moi, je, je, je... Alors, effectivement, le graphique est moins bien, hein, effectivement, il est un peu plus en difficulté, mais si vous, a, si vous achetez pas Lorsque vous êtes moyen long termiste, si vous achetez pas des graphiques en difficulté et que vous achetez que des plus hauts historiques, euh, la performance n'est évidemment pas la même. À un moment donné, il faut bien prendre un minimum de risque. Il faut le gérer, ce risque-là, bien évidemment, mais il faut prendre un minimum de risques. Valorec, toujours la même. Euh, voilà, hein, Pour moi, ça ne change pas. On n'a pas atteint, un peu comme Stellantis, on n'a pas atteint. Euh, le palier que, que je souhaitais donc j'ai toujours la même analyse hein. bah, d'ailleurs voilà on était là je vous avez dit rebond oh, mais pour moi euh, c'était l'analyse euh, donc de certainement de début mai vous avez dit voilà moi je pense que sur Valorec on est dans quelque chose on, on va le voir hein, petit à petit on va commencer à voir des figures on va commencer euh, voyez à pouvoir un petit peu euh, tracer etc etc donc voilà on aura certainement un bisou descendant et on verra si on a l'opportunité d'avoir ça si on a la congestion avec une invalidation en dessous et on a la cassure, pour le moment, pas de zone clé touchée, pour moi, je reste à l'écart, pas le m'intéresse. LVMH, alors on n'a pas eu le break qu'on attendait encore, ça traîne encore, mais c'est d'ailleurs positif, d'ailleurs, on avait placé un ordre au-dessus des 791 euros, qui n'a pas été déclenché encore, mais j'ai toujours la même analyse, c'est-à-dire que pour moi, on est toujours dans la figure, donc ça s'observe sur LVMH, et on a vraiment une belle réduction de la volatilité, c'est pas si souvent sur LVMH, donc, j'aurais presque pu le mettre dans le titre à suivre, LVMH. Euh, voilà, signal de moyen terme de reprise, véritablement, au-dessus des 796. Donc, ce que j'espère, c'est on va arriver là, on va bien congestionner et on va breaker pour aller chercher des nouveaux plus hauts historiques. Tout ça a été invalidé, bien évidemment. Si on repasse, je vous l'ai mis ici en rouge. Je vous la remets d'ailleurs en rouge. Hop. Euh Pardonnez-moi, voilà. Oui, c'est bien ça. Donc si on repasse sous les 760 et sous la moyenne mobile à euh, effectivement 200 jours, allez, on peut même invalider un petit peu plus bas pour être propre. Voilà, sous les 756, 757, à ce moment-là, effectivement, on invalidera le scénario. Mais pour le moment, je pense très sincèrement qu'il faut s'intéresser à LVMH pour les prochaines séances. Euh, si le CAC sort par le haut, direction les 8004, ce sera avec LVMH. Je mets ma main à couper. D'accord Je vois mal LVMH cassé par le bas et le 440 elle est à 8004. Franchement, c'est très peu probable. Eutelsat. Donc Eutelsat, euh, ben intéressant. Hein donc Eutelsat, euh, nous pareil, on est, euh, on est actionnaire euh, également sur le salon. Donc c'est une tendance très 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 très, très baissière. Il euh, y a eu des résultats qui étaient euh, intéressants. Euh, derrière, enfin intéressant, chiffre d'affaires qui était plutôt intéressant. Euh, on avait joué nous la cassure ici, là. Euh, et derrière, voilà, euh, on a remonté. Alors, moi j'ai dit on a remonté parce qu'on a toujours la ligne, en l'occurrence, sur l'internalisateur. Parce que là, c'est un oubli de ma part. mais Comme quoi, on fait des erreurs. De, trop de trades en cours fait que ben, parfois on oublie de. On nous certaines choses. Heureusement que ça s'est bien passé. Pour le coup, on a eu un petit peu de réussite là-dessus. Euh, bref, en tout cas, on a toujours une ligne sur Ethelsat et, euh, et pour le moment, c'est positif. Voilà. Et pour le moment, c'est positif. Alors, ça reste. Ethelsat, hein, ce n'est pas Amazon. Hein. Euh, en termes de qualité fondamentale, ce n'est pas fantastique. Mais voilà, pour le moment, c'est bien. Il euh, y a un gain latent de plus 12%. Donc, c'est pas mal. Mais là, c'est pareil. Hein, je suis une tendance baissière. Donc, moi, pour le moment, on monte le stop. Euh, on va avoir pour moi. Alors, j'ai un niveau d'objectif hein, un peu plus de moyen terme qui est là. Euh, voilà. Je doute. On verra. Hein, je doute qu'on aille beaucoup plus haut que ça. Ou alors, pour aller beaucoup plus haut, il faudrait qu'on aille ici et qu'on fasse une belle construction ici pour pouvoir casser et ensuite éventuellement en relancer. Voilà, grosso modo, pour le titre hôtel Sat. donc ça reste une tendance baissière, ça reste de la contre-tendance, mais bon, on sait faire, hein, il n'y a pas de problème. Européen Scientifique, on fait le suivi, il ne s'est pas passé grand-chose, on est toujours pour moi, voilà, on est toujours dans la figure. Vous avez proposé un achat potentiel au-dessus des 57,92, euh, voilà, il y a eu derrière un petit break de 3-4%, mais pour moi, c'est un peu insuffisant. Euh, voilà, on est toujours hein, dans une potentielle figure, vous hein, voyez, avec une grande baisse et derrière une épaule, tête à épaule un peu imaginée, un peu tirée par les cheveux, certes, mais bon, euh, voilà, on a un aplatissement, c'est là plus où ça m'intéresse. Euh, je vais nettoyer un peu tout ça parce que ce n'est pas assez propre et après, j'ai pas envie de vous embrouiller. Voilà, je nettoie tout. Voilà. Pardon, je m'excuse. Je range un peu ma chambre. Euh, donc voilà, le, le signal, hein, on a un aplatissement de, de la moyenne mobile à 200 jours, là, petit à petit. Donc ce que j'espère, hein, comme vous l'avez dit, c'est qu'on est vraiment un aplatissement de la moyenne mobile et que derrière, on est effectivement, nous, euh, Eurofin scientifiques, qui nous fassent quelque chose comme ça avant de repartir éventuellement euh, sur des objectifs beaucoup plus intéressants. Voilà ce qu'on joue sur Eurofin Scientifique, vous le connaissez. Euh, je la surveille parce qu'on arrive en bout de figure donc j'aime bien quand même vous la montrer régulièrement parce qu'on arrive en, en bout de figure et je pense qu'au euh, fur et à mesure on sera plus très loin j'aurais 53 minutes mais qu'est-ce que ça passe vite c'est pas possible, j'accélère, excusez-moi euh, Katana euh, Katana, bon euh, ben nous, ben voilà, on est sorti. vous en avez parlé la semaine dernière, j'aimais pas trop l'entrée euh, voilà, on avait pris la cassure ici donc on sort aujourd'hui euh, en gain voilà pour moi Katana, euh, bon c'est positif. Je pense qu'il y a un potentiel supplémentaire pour aller là-haut. Euh, euh, mais, euh, mais bon, voilà l'entrée n'était pas top. Je n'ai pas, ai, ai pas aimé, je vous l'ai dit la semaine dernière, je ai pas aimé mon entrée. C'était les... une entrée un peu poussive quoi. C'était une entrée un peu. Euh, voilà, et d'ailleurs le marché euh, derrière nous a repris. Bon, en gain, donc on est très content. Mais euh, voilà, le, le vrai mouvement était avant. Qu'importe. Donc, on est toujours euh, positif. Je vous la montre en hebdo, peut-être. Voilà, en hebdo. Il y a deux zones qui sont euh, intéressantes. Toujours pareil. La zone bon, qui a été touchée ici, des 4,50 euros. Et la zone ici, l'oblique, sous les 4 euros. Sous les 3,80 euros. Voilà. Si on revient éventuellement euh, par là, effectivement, là, pour les investisseurs, ça vaudra le coup pour vous ce genre de scénario. OK euh, Tac, 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 tac. NFL. Alors, c'est spéculatif. Hein. NFL. Euh, pareil. On, on Parmi les, parmi les trades qu'on a, euh, on a NFL également. Euh, mais voilà, c'est beaucoup plus spéculatif. Euh, donc, ce qui était intéressant, effectivement, c'était l'oblique. Donc, on a légèrement foncé, on a réintégré, petite congestion. Et là, on est en train d'attaquer le gap. Donc, voilà, je ne connais pas trop fondamentalement le titre. Ce que j'ai lu, c'était plutôt pas mal. Mais euh, là aussi, c'est euh, spéculatif. Spéculatif, encore une fois, ce n'est pas péjoratif. Euh, à chaque fois tout le monde me dit ouais tu dis que c'est spéculatif donc ça vaut rien non non c'est pas du tout euh, spéculatif ça veut pas dire que ça vaut rien spéculatif ça veut tout simplement dire que pour moi, hein, mon interprétation ça veut dire qu'une news euh, peut venir euh, à un moment donné faire décaler fortement le, le titre et donc effectivement euh, si vous avez une news qui vous fait gagner ou perdre d'ailleurs euh, 30 ou 40% et euh, eh bien euh, derrière euh, votre portefeuille si vous n'avez pas monnaie pardon, correctement votre taille de position vous pouvez euh, euh, en souffrir D'accord, donc pour moi il euh, y a du potentiel, on est en train de breaker les 2,20€, pourquoi pas revenir chercher euh, ici l'oblique. Voilà. Mais encore une fois, il faut être très correct, un 2% de votre capital là-dessus, par plus, c'est déjà bien, je sais que les pros, euh, les pros feront euh, beaucoup plus, mais euh, euh, moi je ne suis pas un pro. Euh, la plupart des gens euh, qui m'écoutent ne le sont pas, donc on fait les choses de manière à peu près raisonnable, euh, à peu près raisonnable et raisonnée. J'avais pas vu effectivement, il y a eu le retest, surtout le retest là. Ça c'était quand même assez intéressant. Je n'avais pas forcément tracé. Voilà pour NFL, donc plutôt positif. Et euh, bon, tant qu'on tient la MM200, hein, tant qu'on tient les 1,99, on reste globalement positif. VGP, vous le savez, on la suit de près celle-ci. Euh, VGP, moi j'aime bien ce que fait euh, le titre puisque vous le savez c'est une tendance donc haussière de très long terme avec un gros crash de l'immobilier euh, belge. Euh, oui, euh, promotion immobilière. Donc voilà, on avait cette zone de résistance, vous le savez. On l'a cassée, on a fait la congestion, on a cassé la grande, la très grande figure, la moyenne figure. On le casse. Et moi, ce que j'espère maintenant, c'est la mise en place de la petite figure, la toute petite figure ici. Pourquoi pas avec un petit rebond. Et si vous voyez qu'il y a ça qui apparaît, vous tentez, d'accord Vous tentez. faut regarder les, il faut regarder les. Euh, les dates de publication et tout du titre, hein, bien évidemment. Mais si vous voyez que vous avez ce genre de choses-là, vous achetez des cassures. d'accord Vous tentez. Vous mettez une invalidation, bien évidemment, mais vous tentez. Parce que derrière, le potentiel, il est très important. Vous le voyez là aussi. Regardez la moyenne mobile. La moyenne mobile à 200 jours. Regardez, elle était, elle était euh, haussière tout le long. Vous voyez, ici, là, elle était haussière, puis elle était baissière, puis elle était plate, puis elle était haussière. Baissière ici, de nouveau plate. Donc ce qu'on espère, ce qu'on joue, c'est à nouveau une reprise du titre. D'accord Avec des cours qui, eux, effectivement, repartent en tendance haussière. C'est ça qu'on joue. On ne sait pas si ça va arriver, bien évidemment, vous l'avez bien compris. On ne sait pas si ça va arriver. Mais on espère, et surtout, on sait qu'on a des ratios gain-risque de très intéressants. Aramis, donc on fait le suivi d'Aramis, souvenez-vous, euh, donc toujours pareil, euh, bah, nous c'est la même chose. Euh, je vous présente beaucoup de trades aujourd'hui qu'on a pris sur ça, on a, on a, c'était énorme ces dernières semaines, c'était je crois une trentaine de, de trades qu'on a pris. Bon, il y avait le, le classique, celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai présenté en plus sur Twitter, c'était le classique, le quadruple, quintuple top, regardez, voilà, du classique, du classique, archi-classique, voilà, regardez. Toutes les semaines, hein, je vous le présente, toutes, toutes les semaines, je vous présente des conflits comme ça. Hein, Il voilà, n'y a pas besoin euh, d'avoir d'indicateur, plus de volume, réduction forte de la volatilité. Vous mettez un nombre, vous mettez un stop tranquillement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe On a hop, on a pris déjà jusqu'à 7%. D'accord Et c'est peut-être pas fini. Et c'est peut-être pas fini. D'accord Donc euh, voilà, le setup classique. J'ai un, un premier niveau euh, d'objectif, je dirais, ce niveau-là. Je vous le mettre comme ça. Voilà, ce niveau-là. Euh, deuxième objectif, ce niveau-là. Troisième objectif, ce niveau-là. Après, on verra. Mais pour moi, il y a encore du potentiel. On peut faire un pullback, mais derrière, il y a encore du, du potentiel sur le titre. Euh, Aramist. la dernière valeur européenne, Justit. Je vous fais le suivi, vous le savez. Moi, je l'apprécie parce qu'elle va vite, etc. Mais pour le moment, je suis obligé de constater qu'on est toujours dans le même range. Donc, on est toujours dans une... Je enlève les volumes. On est toujours dans le même rêve, Donc, euh, ça ressemble un tout petit peu à VGP tendance baissière, consolidation, congestion. Et vous le savez, pour le moment, il n'y a pas de signal. Le signal, ce sera la cassure, la congestion. Donc, on verra si effectivement on l'a. On repasse sous les 12,50 euros. Fin du game et on repartira à la baisse. Mais pour le moment, c'est de l'observation. À un moment donné, si on a le signal, croyez-moi, euh, je vous préviendrai. On part aux États-Unis avec 3M. Dans le 3M. Alors, je suis assez content puisqu'on en avait parlé ensemble il y a des mois. Euh, je vous avais proposé deux zones sur 3M pour les investisseurs. C'est là aussi où je suis assez content parce que du coup, les investisseurs… Euh, voilà, vous avez proposé deux zones. Vous avez proposé euh, une zone de 85 à 90 dollars et une zone de 65 à 70 dollars. Ben, ça tombe bien, on a fait les deux. On a fait 70 dollars ici. 60, euh, ouais, 70 dollars ici, la zone, et on a fait la zone également, bien sûr, de 85 à 90. Allez, si vous avez fait euh, une moyenne 50-50 entre les deux, même si vous avez pris les deux prix les plus chers, les 90 et les 70, ça veut dire que vous avez un pru, euh, grosso modo, aux alentours des 80, si je ne suis pas trop mauvais en mathématiques, oui. Euh, et donc, ça veut dire que normalement, vous êtes déjà potentiellement en gain de 30% sur cette ligne-là. Donc voilà, c'est là aussi où quand on me dit un investisseur long terme n'a aucun intérêt avec l'analyse technique, je vous dis tout le contraire. Euh, je pense que l'analyse technique a encore plus, euh, encore plus d'intérêt pour un investisseur long terme. Effectivement, c'est pas du trading. Effectivement, on n'a pas besoin de millions d'indicateurs. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Pour autant, je pense que pour un investisseur, effectivement, l'analyse, euh, l'analyse technique de long terme a beaucoup d'intérêt. Amazon. Amazon c'est toujours la même chose, les amis. Euh, vous le savez, l'analyse technique, elle est dans l'incapacité, bien évidemment, de, de prédire l'avenir. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, tiens, je vais tout effacer. J'ai même pas la peine. C'est même pas la peine de le mettre en, en, en journalier ou en, ou en hebdo. Hein. Je vais le mettre tout simplement en mensuel. Voilà. En, 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 ce que j'ai envie de vous, la question que j'ai que envie tout simplement de vous poser, c'est, mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez très sincèrement que investir ici sur Amazon, c'est une opportunité extraordinaire. Moi, je pense que la réponse c'est non. Voilà. Alors, je vais vous mettre à l'aise Amazon, c'est mon action préférée aux États-Unis. La valeur que je préfère, j'adore Amazon, je l'utilise énormément. Moi, quand j'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère qui vit avec moi, juste à côté, et donc je m'occupe, elle a. Elle a plus de 90 ans, ma mamie, et pour tout vous dire, euh, il y a quelques mois, elle m'a dit Tiens, est-ce que tu peux me commander ça sur Amazon Donc, euh, quand vous voyez ça, vous vous dites quand même cela, vous vous dites l'impact un petit peu de ce genre de société-là. Euh, bref, en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est voilà, une action superbe. Euh, pour autant, même si je trouve que c'est une action superbe, etc., etc. Euh, est-ce que investir voilà, sur Amazon sur ce niveau de, de prix-là, c'est euh, l'opportunité euh, c'est l'opportunité du siècle. Très sincèrement, je ne pense pas à minima un repli. J'ai deux zones. Allez, si vous êtes vraiment pressé, une première zone qui est ici, euh, et, et éventuellement une deuxième, une deuxième zone ensuite à proximité, effectivement, euh, de, du support oblique de, de très long terme. D'accord Donc, si vous voulez que je vous donne des zones, puisque je sais qu'il y en a certains qui se reconnaîtront qu'on est petits calpins. Euh, qui ont des petits calepins pour noter les zones, ben écoutez, je vais essayer de faire l'effort de vous les donner. Euh, première zone, donc dans la zone donc 135 jusqu'à 140 dollars, et après la deuxième, on verra, on essaiera d'affiner, mais grosso modo, pas loin, je pense, des 115, 120 dollars. D'accord Je considère que, voilà, si vous avez moitié là, moitié là, ça vous ferait un prix grosso modo aux alentours des 127 dollars. 127 dollars pour Amazon, dont le plus haut est à 191, je pense que ça a du sens. Ok euh, Alibaba, donc Alibaba, nous on est passé à l'achat euh, sur les 78 dollars avant les résultats euh, sur Alibaba. Euh, donc évidemment, euh, moi ce que euh, voilà, je trouve que c'est un titre qui est très intéressant. On est venu euh, toucher les plus bas euh, historiques, euh, donc on a mis une demi-position euh, demi avec le salaud sur les 78 dollars. Hop! Voilà, à la cassure, hein, voilà, à la cassure des 78, 79, c'est bien ça, même sur le pullback, voilà, sur le pullback, on a acheté, euh, euh, voilà, je vous le montre, parce que c'est il y, y a des gens qui vont me dire que c'est pas vrai, voilà, nous, Alibaba, euh, 79 46 voilà, 79,46, une première position à renforcer si on retourne sur les 65, puisque les 65, c'est la zone, hein, grosso modo, euh, par là, si on casse les plus bas. Voilà, donc première position ici. Moi je trouve que ça a du sens, euh, pour vous et notamment évidemment la, la Chine. Hein. Euh, on a quand même un signal assez intéressant et il y a un potentiel. Charlie Munger, l'ancien associé de, de Warren Buffett, en avait acheté lui beaucoup plus haut. Euh, il s'est un petit peu cassé les dents d'ailleurs là-dessus. Mais voilà, les objectifs. Euh, J'essaye de penser aux objectifs, c'est vrai que vous me le dites tout, souvent, mais objectif 101. Objectif 118 et euh, objectif... Euh, allez, euh, on va dire grosso modo 170. Après on verra, ce sera déjà pas mal. Ok, voilà pour Alibaba. Et enfin, euh, le titre à suivre, c'est... Ah oui, euh, bon duel. Donc bon duel, alors là c'est une tendance baissière, c'est pas la plus belle roco, par roco, je ne fais pas de recommandation, mais c'est pas, pas la meilleure idée que j'ai eue, peut-être, mais voilà, pour vous dire, rebond technique, vous euh, voyez, on a une petite congestion, on est sur les plus bas historiques, hein, évidemment, c'est... Voilà. Euh, non, on n'est pas sur les plus bas historiques, je dis une bêtise, on n'est pas sur les plus bas historiques, euh, voilà, c'est l'achat de, de contre-tendance, etc. Bon, je vous donne le plan, parce que c'est une tendance baissière et je ne voudrais pas que vous vous enfermiez au cas où que vous mettiez en moyenné ou, ou, ou pas, c'est vraiment réservé à euh, voilà, un certain nombre de, de traders, grosso modo un achat au-dessus des 8,15€, vous vous invalidez euh, sur les 7,62€, et qu'est-ce qu'on peut viser, et eh bien euh, en objectif, hein, moi je viserai en premier objectif cette zone ici, qui devrait être d'ailleurs le point de passage pas loin, donc aux alentours des 9€ en premier objectif, après on verra, Éventuellement des, les 10 euros et éventuellement euh, les 10,88 euros. Mais voilà, c'est pas ma préférée, hein, honnêtement. Bon duel, c'est très dégradé, c'est vraiment pur trading, euh, petite position, etc. C'est etc. pas, et j'en suis désolé, mais j'essaie toujours de, de jouer le jeu, entre guillemets, euh, et d'essayer toujours de vous proposer quelque chose euh, sur le, les, les, les valeurs à suivre. Euh, mais euh, voilà, on a eu beaucoup. Euh, évidemment de, de réussite et je vous en remercie. On a eu énormément de réussite sur les, les dernières semaines. Il y a beaucoup de titres qu'on avait proposés, qu'on avait suivis, qui, qui, se sont, euh, qui se sont envolés. Euh, donc c'est super. Maintenant, il faut avoir bien évidemment toujours le triomphe modeste. Euh, c'est toujours pareil. Dans les victoires, il faut avoir le triomphe modeste et dans les défaites, il faut pas non plus se dire qu'on qu est les plus nuls. Il y a toujours un juste équilibre à trouver. En tout cas... Euh, merci euh, beaucoup, ouais, vos messages sont incroyables, de bienveillance, euh, de politesse surtout. Euh, vraiment, moi je, je me réconcilie avec moi qui suis anti, ça peut paraître paradoxal, mais qui suis anti-réseaux sociaux. Ce vrai n'était vraiment pas ma volonté au départ de m'exposer ni sur les vidéos ni sur Twitter. Euh, je le fais par la force des choses parce que c'est ma passion, euh, les, les marchés financiers. Mais euh, moi qui suis anti-réseaux sociaux et quand je vois le nombre de messages bienveillants, le, le, voilà, les bonjours, les, les formules de politesse finalement, hein, qui, qui se sont perdues, je pense, ces dernières années, quand je vois qu'il y, euh, y a un véritable retour de ça, il y a un véritable retour de la gentillesse, la gentillesse et la bienveillance. Euh, ce ne sont pas euh, des faiblesses, ce sont des qualités euh, dans la vie, moi j'en suis euh, intimement persuadé. Et quand je vois effectivement euh, tout ceci qui se met de plus en plus en place, et en plus il y a cet effet, euh, cet effet de boule de neige, c'est-à-dire que quand on est entouré de gens qui sont polis, euh, bienveillants, euh, etc., etc., ben, on a tendance, si on ne l'est pas au départ, on a tendance à l'être. Donc euh, voilà, je trouve que c'est très positif, en tout cas. Et euh, donc ça, d'une part, et surtout... Également, je vois énormément de, 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 de graphiques hyper intéressants à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Donc, bravo pour euh, l'évolution euh, de la bourse et euh, du trading euh, français francophone, puisqu'on est suivi aussi par beaucoup de, de, de Belges notamment. Donc, ça fait plaisir de pouvoir évoluer tous ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Euh, et puis, euh, voilà, il y a beaucoup d'émissions qui arrivent là. C'est euh, en cours d'enregistrement, il y aura l'émission économique, il y aura certainement euh, les cryptos, il y aura les ETF euh, star le retour des ETF stars qui va, qui vont arriver. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui vont arriver, beaucoup de surprises euh, évidemment, et tout ce contenu sera bien sûr, comme d'habitude, gratuit. Allez, je vous embrasse, bon week-end, et prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.